Salut à tous, salut, bienvenue dans toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ma foi, eh bien pas exceptionnelle parce que nous sommes aujourd'hui les gars, eh bien dans un petit parcourito. Eh oui, dans un parcours, mais les gars, la neige ne veut pas partir sur GTA. Et ça nous rend fou. Donc c'est pour ça que vous dites, mais Eumine, pourquoi vous faites plus de vidéos avec la salle ou ça? Pourquoi vous faites plus si profite? Mais tout simplement parce qu'il y a la neige. Et la neige, elle nous rend, j'ai envie de dire, elle nous rend un petit peu fou. Parce qu'on peut. En fait, on peut strictement, mais quand je dis strictement rien faire, c'est strictement rien quoi. On peut pas quoi, on peut pas. Ok. Ici tout doux les gars, faut pas faire n'importe quoi. Tout, on a un petit tunnel, le tunnel qui va peut-être nous faire tomber, non c'est bon. Ok, donc du coup c'est vrai que la neige rend fou, donc forcément, avec la salle, malheureusement, j'ai envie de dire. On peut pas faire de vidéo parce que ça nous empêche de faire pas mal de choses. Hein. Parce que la neige, bon, les véhicules dérapent, on peut pas faire nos tests, on peut pas faire nos petits trucs et tout. Et c'est un peu chiant de faire tout le temps des parcours dans la neige et c'est extrêmement nul parce que Rockstar ne veulent pas enlever la neige. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas ce qu'ils ont cette année avec les DLC. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi dans les commentaires. Avec les DLC, ils poussent le truc. Je trouve un peu beaucoup trop lent. C'est-à-dire que quand même le DLC les gars de cette année, enfin le dernier là qui est sorti, ils le font durer dans le temps. C'est-à-dire, alors pourquoi vous me dites ils le font durer? Ok. Ouais. Alors pourquoi ils le font durer dans le temps? Tout simplement parce que Rockstar sort des DLC maintenant, comme vous le savez, toutes les 2 semaines. Enfin tout 2 par an. C'est-à-dire que en gros le prochain DLC qu'on va voir, ça va être en juillet. Ok, alors il faut pas que je tombe. Ouais, ça va être en juillet, le prochain qu'on va avoir. Donc c'est à peu près tous les 6 mois. Pardon, je voulais dire les DLC, ouais. Et du coup, c'est nul. Parce que, par exemple, au lieu de sortir tous les véhicules d'un coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les véhicules une fois par semaine. Sauf que maintenant. Faut aller où là? Sauf que maintenant, ils ont abusé. Pourquoi ils ont abusé, les gars? Parce qu'ils ne sortent plus les DLC. Wow! Ah ouais, je pense que là, les gars, je suis allé un peu beaucoup trop loin. Je sais même pas si j'aurais. Il est juste au-dessus là-bas. Je pense que je vais respawn. Ouais, et du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent les DLC. Et au lieu de sortir, eh bien, un véhicule directement, carrément, cette fois-ci, ils sortent même pas un véhicule par semaine. Parce que vous savez, avant. On avait l'habitude d'avoir un véhicule tous les jeudis. Maintenant, c'est quasi. C'est genre toutes les 2 semaines, voire des fois 3 semaines. Genre, c'est abusé. Ils veulent vraiment pousser le truc, quoi. Donc là, par exemple, cette semaine, hier, je voulais présenter le nouveau véhicule. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de nouveau véhicule. Donc, du coup, on doit attendre la semaine prochaine pour avoir un nouveau véhicule. C'est toutes les 2 semaines. Et je trouve ça vraiment dommage que Rockstar pousse les DLC un peu comme ça. Et ils ne fassent pas des mini-trucs, des mini-événements comme ils faisaient à l'époque. Et du coup, ils font pousser un peu le jeu. Bon voilà, au bout d'un moment je pense qu'il faut sortir GTA 6 parce que là faire pousser le truc tout le temps et tout, c'est pas du Rockstar quoi, hein. C'est-à-dire que Rockstar vraiment d'habitude ils font des choses un peu plus sympathiques, un peu plus meilleures, un peu plus travaillées. Et là en l'occurrence c'est un peu n'importe quoi depuis maintenant 2 ans. Même les DLC c'est pas, bon encore le dernier Drogue ça va, je pense que c'est l'un des meilleurs des 2 dernières années, même si pour moi le meilleur des derniers DLC, ça reste Cayo Perico. Mais bon, le DLC par exemple Dr. Dre, pour moi c'est catastrophe. Hein. C'est l'un des pires. Hein. Mais voilà, j'ai envie de dire, après ils tentent des choses. Hein. C'est pas exceptionnel, exceptionnel, mais faut s'y faire. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez chiant. Donc vous inquiétez pas, vous aurez bientôt des vidéos avec la salle, le retour de la salle sur toutes les vidéos. C'est vrai que ça fait quand même un bon bail qu'on n'a pas fait de vidéo, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a la neige. Et du coup, la salle, telle encore ce matin, il m'a envoyé un message, il me dit, ouais, la neige, ça rend fou, on peut rien faire, tout ça. C'est vrai qu'on peut rien faire, les gars. Vraiment, on peut vraiment, vraiment rien faire, quoi. Voilà, c'est pas qu'on. On peut pas, c'est qu'on n'a pas envie de proposer des parcours tout le temps dans la neige, tout le temps la même chose, sachant que ça glisse, et des fois, forcément, il y a des parcours qui sont pas adaptés pour la neige, qui ont été faits, du coup, hors neige, et pour le coup, c'est dommage quoi. Ok. Bon, en tout cas, si vous me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. En fait, le parcours il est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce parcours.
il est pas mal du tout, les gars. Il est pas non plus compliqué. Il est pas non plus hard. Je trouve que la moto passe plutôt bien. Ok. Ok. Wow, il y a une. Ouais, comment ça fait le feu? Ouais, je suis dans du feu, les gars. Alors qu'il neige et tout. Est-ce que le feu, ça éteint la neige? Enfin, la neige, ça éteint le feu, plutôt, j'ai envie de dire. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on va pas faire n'importe quoi, les gars. On va pas faire un op. Attendez, c'est fini là? Ok, je vois que les points s'approchent de plus en plus, les gars. Je crois qu'on a fini le parcours. Je suis pas sûr. Mon avis, nous avons fini ce magnifique parcours qui aura duré quand même 5 minutes 44, les gars. Ok, bah c'est fini. Et bah, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va se retrouver dans une petite course Air de Race avec la neige. Les gars, on est reparti pour un petit. Pas parcours cette fois-ci, mais une petite course en panto. Alors, ce n'est pas Air de Race, c'est semi-automatique, photocathodique. Et on est parti pour tout simplement, les gars, partir sur un petit délire, sur un petit wikit, la panto qui passe toujours bien, la panto qui est un véhicule normalement qui est censé nous surprendre, mais avec la neige, est-ce que ça passe ou pas? What the fuck? What is this? Ok, wow, c'était stylé, les gars. Magnifique. D'accord, waouh. Ok, alors ça fait des backflips bizarres. Wouhou! C'est trop stylé, les gars, je kiffe à mort. Alors, un tour, normalement, c'est 4 minutes d'après le créateur. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je sais que vous kiffez les Air de Race. Oh my god! Waouh! Ouais, c'est quoi ce délire là? C'était trop stylé, les gars. What the fuck? Mais vous avez vu les trucs bizarres que ça fait, les. Oh, c'est quoi ça? Ok, bon, vécu d'un rap un peu. Honnêtement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais c'est vachement stylé. Genre, ça fait des. Honnêtement, ça pour le coup, jamais vu quoi, tu vois. Wow, what the fuck? Incroyable. Pour moi, c'est l'une des meilleures courses qu'on ait pu faire en panto. Et honnêtement, pour une Air de Race. Wow, mais c'est quoi ça, les gars? Ouais, voilà, c'est le problème. Et la neige, hein, comme je vous ai dit, ça rend fou. Ok, là, pour le coup, ça fait pas de backflip. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable, les gars. Vous voyez la neige, on n'a même pas. Ok, c'est bon. Vous voyez, en plus avec la neige, l'eau, elle est un peu bizarre, elle est un peu blanche. J'espère juste ne pas me noyer. Et ben voilà, je me suis noyé. Le problème de la neige. Le sion totalement fou, les gars. La neige qui est catastrophique. Allez, bombarde. Ne te noie pas. Voilà. On va se noyer, les gars. Je vous le dis, on va se noyer. Allez. Faut pas que je parte. Normalement, c'est bon. Allez, te noie pas. Mais il se noie. What the fuck, c'est quoi ça? Alors, attendez, je vais peut-être prendre de l'élan. Ok. Si je prends de l'élan, ça devrait le faire. Alors. Ah, mais il y a un ralentisseur ou je rêve? Je vais essayer de passer dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est bon. De toute façon, les gars, j'ai validé le point. Donc, honnêtement, ils peuvent me faire. Ils peuvent me noyer et tout. Il n'y a pas de souci. Waouh, wow, ouais, d'accord. En fait, tu voles des fois, tu te rends même pas compte. Ok, là, je peux tourner avec le joystick. Bon, là, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, je pense qu'on m'attrape un peu plus de 4 minutes à faire ce tour. Mais honnêtement. Les petits saltos, les petits backflips, c'est trop stylé, les gars. Allez, faut qu'on le fasse, les gars. Faut pas qu'on fasse n'importe, on reste comme ça, on reste clean, on reste statique. Ouh, les feux de. Ah non,
Ok, je pensais que c'était des feux d'artifice, mais en fait, non, c'était des pièges, les gars. Heureusement qu'on n'est pas tombé dedans. Oh my god. Heureusement qu'on n'est pas tombé dedans. La salle, je pense qu'il serait tombé dedans, les gars. Il serait tombé dedans. Ok. En tout cas, les gars, je rappelle, n'hésitez pas, les gars, à me suivre sur mon TikTok. J'en profite, Unmin Off sur TikTok. N'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Bonsoir, petit Unmin. Que fais-tu ici? Ok. Me dis pas qu'on va avoir un backflip, les gars, là. Ouais, je pense que là, à mon avis, les gars, on va avoir un salto du futur, là. Attention. Wouhou! Ah! Oh, il y en a deux! Oh là 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 là! Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, les gars. Deux saltos d'affilée, honnêtement. J'y m'y attendais pas. Attends, me dis pas qu'on va avoir la même, là. Ouais, je pense qu'on va avoir la même, les gars. Ah non, même pas. Cette fois-ci, non. Mais je sais pas comment il fait. Wow, j'ai failli me trouver. Je sais pas comment il fait pour faire ça. Honnêtement, est-ce qu'il y a un truc invisible ou pas, les gars? Où vous pensez? Wow, par contre, là, le véhicule est en train de déraper total. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut plus faire des vidéos avec la salle. C'est justement pour ces dérapages catastrophiques. Allez. On voit le point final. Et honnêtement, pour ma part, j'ai ultra kiffé cette course qui est incroyable, mais vrai, elle est sublime, sublime cette course. Et bien, je crois qu'on va finir, les gars. On a fini, on a fini. C'était la première R2 Race qu'on a fait en 2023, et honnêtement, c'est trop. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et puis, encore une fois, bonne année.